Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, je suis pas très actif en ce moment, je joue comme je peux, comme vous le savez avec le boulot. Comme beaucoup d'entre vous, je sais, hein, qui commentent pas forcément, mais qui regardent mes vidéos. Je vais dire tous les jours, mais il n'y a pas des vidéos tous les jours, il y a des vidéos en ce moment une fois tous les 2 semaines. Mais j'espère que vous allez bien les gars. Sachez juste une chose, c'est que je continue de jouer, je suis toujours aussi motivé à retrouver les 17 000 points de succès. Comme vous le savez, c'est vraiment mon objectif. Enfin, mon objectif à la base, c'était d'atteindre les 18 000 points. Mais après, vous savez, il y a eu le nerf avec les idoles. Il y a eu le nerf, on a tous perdu plus de 2000 points de succès. Hein, entre 2000 et 2500. Quand ils ont enlevé, ils ont supprimé les succès idoles. Mais voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, je vous propose le succès duo Anerys, la chouchesse. Alors, c'est en panda roublard. Il faut savoir que c'était ma toute première tentative. Je l'ai joué, bon, faut savoir que cette vidéo date, enfin, le combat date du 30 décembre, je sais que, voilà, je l'ai fait il y a longtemps. Mais en fait, il faut savoir que je tourne pas des vidéos tous les jours, c'est pour ça que j'en ai un petit peu en stock. Enfin, quand je dis en stock, là par exemple, j'ai Élisaël duo que je vais vous proposer très bientôt. J'ai Bétel et Solar en spécial que j'ai filmé récemment. Et j'en ai quelques-uns, là, hier, j'ai fait le succès Torquelonia également. Donc voilà, en succès spécial il me semble, je suis en train de le faire, ouais, il y avait statue aussi, ouais, hier j'ai fait statue il me semble, ou avant-hier je sais plus. Mais voilà les amis, aujourd'hui c'est un simple duo Anerys la chouchesse, donc forcément c'est en plusieurs compos. Donc voilà, là il y a plusieurs compos, là j'ai fait panda roublard, après vous aurez Yop-Eni, et après vous aurez Kra et Nutroph. Alors faut savoir que là j'ai vraiment réussi... Alors, en une tentative, mais vous pouvez voir que ça s'est joué à pas grand chose. En fait, c'est un duo qui est assez alors, délicat. Oui et non. Vous allez voir en Yop-Eni bidon, en panda roublard. Enfin, bidon, certes, j'ai failli mourir, mais c'était à cause du regain de vie. Parce qu'en fait, j'ai fait une petite erreur dans ce combat. Je pensais que j'avais joué Dofus des Veilleurs. En fait, j'ai même pas joué Dofus des Veilleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que Anerys, la chaussée, elle réduit trop de dégâts. Elle réduit, je crois, 90% des dégâts. Et l'un des seuls moyens du fait de pouvoir la rox, on va dire mieux, c'est de se laisser transformer en ghoul. Et quand on se laisse transformer en ghoul, en fait, on reprend un petit peu de dégâts. Alors c'est pas grand chose, mais là vous allez voir, vous allez être choqués. Elle a 15 000 points de vie, et là vous allez voir, je vais la tuer, en fait, en un tour. Parce qu'en fait, prochain tour, c'est Nébuo. Et qui dit Nébuo, bah dit tout simplement que ça va taper extrêmement fort. En plus, bon là ce que j'ai essayé de faire c'est en fait de porter, mais en fait en ghoul je crois on peut pas porter. Et là regardez, voilà, dites GG, c'est tout. Juste dites GG dans les commentaires parce que le roublard c'est vraiment une de mes classes préférées. C'est trop fort, c'est trop fort. Ça tape tellement fort, voilà, Anerys la chouchesse. Donc là c'était le dernier succès qui me manquait au niveau de la zone et en fait j'ai pu débloquer donc 40 points de succès pour le duo, donc il y a 20 points plus les 20 points de tous les succès. Vous voyez quand on finit un donjon, bah, on a 20 points en duo et 20 points pour si on a déjà fait les autres succès, plus 30 points parce que là j'ai débloqué l'ornement parce que j'avais fait les quêtes. Donc juste un duo j'ai gagné 70 points de succès. Là on se retrouve les gars pour un deuxième duo. J'aime bien vraiment vous proposer plusieurs compos de duo, comme ça on me dit pas ouais mais Joy tu fais que des duos, sur ta chaîne tu fais que des duos Kraenu. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube, en fait vu qu'ils ont que 4 personnages, très souvent c'est des duos, bah c'est les mêmes, d'ailleurs 90% des duos que tu vois c'est tout le temps avec des Hélios ou des Pandatanks. D'ailleurs bon Pandatanks c'est... Faut savoir que il y a 95% des duos dans Dofus, enfin des vidéos duos sur Dofus sont obsolètes. Parce que ça a été tourné avant des nerfs. Par exemple, là, vous voyez, il n'y a pas longtemps, je faisais le donjon Bétel et Solar. Et en fait, il y a un moment, je voulais faire le duo, succès duo. Et en fait, 99% des vidéos succès duo ont été faites en panda tank. C'est-à-dire que c'était un panda qui portait, qui avait 5500 vita, 5500 à 6000, 50% res, il portait et il restait au cac. Et il y avait un perso rox. Donc même moi, hein, j'en avais profité. Bon, je l'ai fait que pour certains duos, je crois Frigos 3, quand ça n'avait pas encore été nerf. Mais là, actuellement, on se retrouve dans l'embarras parce que bah, quand on fait les donjons in-game et qu'on a besoin de faire des duos, quand tu tapes sur YouTube un duo avec une compo, bah en fait c'est tout le temps la même. C'est-à-dire que c'est des vidéos qui datent d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et c'est tout le temps avec ça. Donc que ce soit Solar ou Bétel, alors ils sont gérables hein, sans Pandatanks, mais c'est beaucoup plus chiant. Et quand on est une team de 8 comme moi, on prend tellement de temps à justement à chaque fois changer de compo. À la limite, si ça passait en Pandatank, Pandatank plus X, et ben voilà quoi, ça sera un peu long, mais au moins ça passe, c'est auto-win. Mais sauf qu'en fait là c'est plus le cas. Vous voyez, Élisaël, je me suis cassé la tête. J'ai fait toute ma team en duo. Mais après Élisaël, je me suis promis de plus passer autant de temps. Parce qu'en fait, j'ai très peu de temps de jeu. Et en fait, si vous voulez, bon, j'ai fait un post hein, sur YouTube et Twitter. J'ai dit comme quoi j'arrêtais les succès duo. Parce que déjà que je joue très peu. Mais en plus, si je tryhard des succès duo, du genre là, Solar par exemple. Solar se faisait très facilement en Pandatank plus un perso Rox. Mais là, ça n'existe plus. Pourquoi ça a été nerfé? Bah, ça a été nerfé parce que quand un panda porte un allié, il réduit ses dégâts, je crois, de 25% puis de 50% pendant plusieurs tours, voire même, je crois, il le rend pacifiste, mais je crois que ça a été nerfé. Peu importe, c'est plus comme avant de toute façon, ça a été nerfé, comme les vulnérabilités ont été nerfées. Il y a toujours une vulnérabilité, mais avant on pouvait en mettre 2, mais maintenant c'est qu'une. Donc il y a tellement de choses à chaque fois qui sont nerfées, c'est ultra chiant, ce qui fait que moi j'arrive sur du fin de game et en fait bah après voilà, hein, c'est pas plus mal. C'est chiant parce que du coup 99% des vidéos on peut plus les suivre, on peut plus s'aider des vidéos d'avant, succès duo. Franchement les donjons in game, vous vous rendez pas compte, mais le nombre de donjons in game en succès duo qui ont été faits avec Pandatank plus X, c'est hallucinant. Donc là je vous propose, vous avez vu Yop-Eni, c'était bidon en duo, il suffit de la jouer érosion et de taper fort et se soigner. En fait ce succès duo, hein, si vous avez du soin et de l'érosion, c'est bidon. Mais je vous montre plusieurs compos au Panda Roublard, Yop-Eni. Et je crois que je l'avais fait en fake Azobal distance, mais je l'avais pas filmé. Là je vous montre une compo distance avec Kraenu. Par contre ça, Kraenu, c'est vrai qu'il y en a beaucoup sur YouTube. Et c'est toujours faisable. Enfin, ce qu'il faut savoir c'est que les donjons in-game en Kraenu, il y en a énormément que tu peux pas faire. Parce qu'en fait il y a énormément de donjons endgame où tu peux pas esquiver les dégâts. Kraenu, la puissance de Kraenu en duo, ça repose juste sur le fait qu'on reste à distance. Sauf qu'en fait Ankama a tellement créé des donjons cheatés que t'as des mobs maintenant qui tapent across the map, ou qui n'a pas besoin de ligne de vue, ou qui ont des portées infinies. Genre Solar, il me semble que Solar tape comme il veut. Ouais, il s'en fout s'il a une... Il me semble qu'il a un sort tous les tours là où il tape un peu comme il veut. Mais voilà, vous avez plein de donjons comme ça. Mais voilà les gars, c'est vrai que voilà, prochaine vidéo qui sortira, ça sera Élisaël succès duo. Élisaël succès duo, vous vous rendez pas compte le nombre de tryhards, j'ai dû faire 50, 60 tryhards. Enfin, il y a des compos qui sont passés, ça va. Puis il y a des compos, j'ai dû faire ouais, 40, 50, 60 tryhards. Et c'était des tryhards qui duraient 2, 3, 5 minutes, des fois 6, 7, 8 minutes, ça dépend des vagues. Mais Élisaël duo, mon dieu, ça a été très compliqué. En fait, quand on est une team de 8, on se rend pas compte, mais les succès duo en donjon in game, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose. Il faut du mental, il faut du tryhard, il faut beaucoup de tentatives. Mais il faut surtout du mental parce qu'il ne faut pas abandonner en fait. C'est surtout ça. Là je me rappelle que voilà, Élisaël duo, quand je faisais des 50-60 tentatives, des fois j'en avais marre. Parce qu'en fait, il faut avoir beaucoup de rocks, il faut jouer généralement O ou R parce qu'Élisaël a des résistances. Mais là on peut voir pour Anerys, la chouchesse, j'ai même pas besoin de vous commenter. En soi elle fait rien si... En fait si vous n'êtes pas en ghoul, elle peut pas se TP à vous. Mais ça marche qu'en Kraenu on va dire, enfin à distance. Si on la joue érosion avec Kra plus X, je vous conseille de rester à distance et de ne pas être en ghoul. Mais si vous avez du soin et du rox et de l'érosion, faites-vous transformer, tapez à fond, soignez-vous, mettez des Dofus, des veilleurs de coco. Le succès duo il est vraiment bidon. Anerys, c'est vrai qu'elle tape un petit peu fort. Mais si vous voulez roder, là comme je fais, la compo elle est auto-win. Et il faut savoir que ça en vrai on peut le faire avec Kra plus X. Mais bon. En tout cas voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous expliquais un petit peu ce que je faisais en ce moment. Là en ce moment je suis en train de terminer le succès spécial Torquelonia. Après je pense frère quand même le Torquelonia en exception en succès duo. Parce que je crois qu'en Pandatank plus X il est bidon. Et après les amis il me restera que les 4. Enfin il me restera. Enfin j'en viendrai au moment où je devrais faire les 4 donjons Hellocalypse que j'ai jamais fait, imaginez. J'ai hâte de les découvrir, j'ai déjà regardé un petit peu sur Dofus pour les noobs comment ça allait se présenter. J'ai hâte de vous poster ça évidemment, enfin poster ça, je vais d'abord les faire, les filmer et vous les poster. Si c'est le cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, on se retrouve très vite, c'était Joy Stick, ciao bye bye.